Mesdames et Messieurs, bonjour et bienvenue dans cette édition sur la télévision caïdienne. La Journée internationale des migrants célébrée à Kaï. La région de Kaï étant une zone de migration par excellence, l'espace de migration et de développement de Kaï a animé le mardi 18 décembre 2018 une table ronde sur les opportunités économiques organisée dans le cadre de la commémoration de la Journée internationale des migrants. Cette rencontre visait à informer les populations sur les opportunités économiques offertes par l'État et les partenaires au développement dans la région. Harmonisation et innovation au bénéfice des initiatives de la société civile d'utilité sociale Hibiscus, un nouveau programme d'appui à la société civile a organisé le mardi 18 décembre 2018 dans la salle de réunion du centre de conférence de Kaï une rencontre d'information et d'échange avec les organisations de la société civile, les autorités politiques et administratives ainsi que les médias de la région de Kaï. L'objectif était de faire connaître le programme Hibiscus, ses missions et ses lignes directrices. Financée par l'Union européenne, la rencontre a été animée par une délégation venue de Bamako. Le bureau du comité de gestion du groupe scolaire Lafia B a été renouvelé le jeudi 20 décembre 2018. Le président sortant Idrissa Diong est reconduit pour un nouveau mandat de 3 ans. Le groupe de recherche et de réalisation pour le développement rural vient de donner le sourire aux femmes de Sekoubara. Le GRDR, dans le but d'accompagner les femmes rurales, vient de remettre des semences maraîchères et d'autres produits aux femmes de Sekoubara dans la commune de Sandari. Les bénéficiaires ont manifesté leur satisfaction. Cette invitation de la section régionale de la Ligue islamique des élèves et étudiants pour finir cette édition. La Ligue islamique des élèves et étudiants du Mali, section de Kaï, organise du 23 au 25 décembre 2018 au sein de l'Institut de formation tertiaire et professionnelle IFPU de Kaï la deuxième édition du séminaire régional de formation islamique. Le thème choisi est « Le militantisme islamique en milieu scolaire, quel apport pour la culture de l'excellence ?» La Ligue compte sur la présence massive de tous. Voilà, c'est tout pour ce flash. Merci à vous de l'avoir suivi et à bientôt.